aucun traitement pour... Mademoiselle ? Mademoiselle ? Oui. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour votre stérilité. C'est bien sûr une étape difficile et il faudra du temps pour l'accepter. En revanche, je peux vous conseiller si vous souhaitez vous diriger vers la solution de l'adoption. Et aujourd'hui, qu'en est-il pour vous de votre deuil ? Je veux dire, du fait que votre futur enfant ne puisse pas être biologiquement le vôtre ? C'était assez dur d'accepter que je ne puisse pas donner la vie. Je ne connaîtrai jamais les moments d'une femme enceinte. Mais maintenant, je me suis dit qu'avant tout, je voulais que l'on soit parent et... même si on n'a pas le choix, ce n'est pas grave si l'enfant n'est pas biologiquement le mien. Et vous, Maxime ? Vous étiez là au moment de l'annonce de cette nouvelle. Quels ont été vos sentiments à l'instant où vous l'avez appris ? J'étais triste. D'accord, et vous pouvez développer un peu ? Je me sentais un peu coupable envers Julie. Vous vous sentiez coupable de la stérilité de votre compagne ? Non. De notre échec. Je veux dire... J'étais impuissant face à ça. Bien. Dans le cadre de votre procédure d'adoption, comme vous le savez sans doute déjà, je vais devoir m'intéresser à votre enfance, hein, et plus précisément à la relation que vous avez eue avec vos parents. On va commencer par vous, Maxime, si vous voulez bien. À chaque fois, voilà, c'est comme ça, c'est toujours moi qui fais les bonnes de merde. Bon allez, vous allez bien finir cette bouteille. Vous n'avez pas de route à faire, vous. J'adore ce genre d'argument indiscutable. Enfin, j'espère que c'est Caro qui conduit. Mmh. Voilà. Ça va aller, le retour ? Oui, oui. Et puis, la prochaine fois qu'on viendra, on aura moins de route à faire. Bon, avec Caro, on avait dit qu'on en aurait parlé demain, quand ça sera fait. Alors, en fait, demain à 10h, on a rendez-vous chez le notaire pour signer la maison. C'est pas vrai, ça. Depuis tant que vous attendiez ça. Et c'est quelle maison, celle en bois dont tu as tant parlé, c'est ça ? Quoi ? Non, attends, je vous en ai pas tant parlé que ça. C'est comme si on l'a visité avec vous, cette maison. C'est clair, on l'a jamais vue, mais on connaît déjà son exposition, le plan, sa superbe isolation. Elle est magnifique, génial. C'est pas de moi dont il parlait, hein. D'accord, bon, mais c'est vrai, je vous ai un peu bassiné avec ça. Mais oui, c'est la maison dont on a parlé, voilà. Et d'ailleurs, on va avoir besoin d'un coup de main pour le déménagement. J'aurai droit à une double ration à la crémaillère. Tu perds pas le nord, toi. Enfin, c'est maman qui va être contente. Elle va avoir son petit Xavouna à pas un kilomètre de chez elle. 630 mètres, pour être précis. Ah, on n'en parle pas. Ça va pas cacher sa joie quand t'as un prix. D'ailleurs, elle m'a dit que ça faisait un petit bout de temps que tu l'avais pas appelée. Ce serait peut-être bien que tu prennes de ses nouvelles. Ouais, je sais.
Je vais l'appeler. Ça va pas? Si, si, ça va très bien. C'est juste que je sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle va me demander où ça en est pour l'enfant. Elle va s'inquiéter pour moi. J'ai pas vraiment besoin de ça en ce moment. Et vous avez eu des nouvelles pour l'adoption? Oui. Pardon. Ça n'a pas marché avec la psy. Vous allez faire quoi alors? Pour avoir un enfant. L'adoption, c'est foutu et Julie est stérile. Julie, oui. Mais toi, vous avez encore cette solution. Écoute, Max, t'as pas besoin d'avoir un médecin pour faire ça. C'est vrai, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul. T'as besoin de quoi? D'une pipette, d'un récipient, c'est tout. Et d'autres choses? Attention.